Salut à toi, c'est Marine et bienvenue sur cette séance de 30 minutes de marche à la maison directement depuis ton salon, si c'est pas beau ça. Donc c'est une séance idéale si par exemple tu cherches à perdre du poids et que tu sais pas par où commencer, si tu es débutant ou même si tu souhaites faire passer des courbatures que tu as pu avoir à la suite d'une autre séance que tu as faite la veille ou l'avant-veille. Ça fait toujours du bien de marcher pour éliminer ces courbatures plus rapidement. Alors avant d'attaquer cette séance, je t'invite à me lâcher un pouce en l'air sous cette vidéo pour m'aider à stimuler cette séance sur YouTube. Pense également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour recevoir une notification dès que je te partage une nouvelle séance sur cette chaîne. Et on va pouvoir attaquer cette séance. Je t'invite à chausser tes baskets, prendre ta gourde, ta serviette et c'est tout. On est parti. Let's go. Juste avant d'attaquer cette séance, je t'invite à télécharger le guide de la perte de poids. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est totalement gratuit. C'est un guide qu'on a créé avec Max qui va t'aider à perdre du poids. Donc je t'invite à le télécharger juste en dessous de cette vidéo dans la description. On commence la séance, on vient prendre une grande inspiration, on étire le dos, la colonne et on souffle, on relâche. Ok, tu vas pouvoir commencer à marcher sur place. Ici, on commence à activer le bas du corps. Et puis, on va serrer ses abdos. Donc, comment ça se passe? On va aller rentrer le ventre, ok? On reste gainé. Ici, pendant toute la séance, on va penser à aspirer le nombril. Yes? On est bon? Super. Pareil, tu vas pouvoir adapter le rythme à ton niveau, à ta forme du jour. Donc, si besoin, tu ralentis et si tu es en forme, tu peux accélérer, il n'y a pas de souci. Ok, vraiment, chacun, chacune le fait par rapport à son niveau et à son rythme, bien sûr. Super. Donc, on garde la marche en bas et on commence ici à ajouter les épaules qui vont aller s'enrouler vers l'arrière, puis vers l'avant. Nickel. Yes. Toujours les abdos bien gainés. Relâche les bras le long du corps, garde les épaules basses. On rentre le ventre, on se grandit, le buste fier. On est heureux d'être là et fier de nous, fier de faire cette séance. Super. On va rajouter les bras ici, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça va? Jusque là, ça va. Au niveau de la coordination, pour l'instant, ça devrait bien se passer. Et on souffle. Tu vas penser aussi à bien respirer pendant toute la séance, tranquillement, à ton rythme. Super, rentre bien le ventre, grandis-toi et les bras devant, ici, devant, tire les coudes derrière. Yes, garde un rythme régulier en bas avec tes jambes. Super, encore 3, 2, 1 et on va ouvrir sur le côté et de l'autre côté. Hop et hop, hop. Et donc tu vois, tu tends un bras et tu plies l'autre devant toi ici. Hop et hop. Souffle bien. Ok, allez, rentre le ventre, reste gainé. 4, 3, 2 et 1. On relâche les bras. Ça va? Ça chauffe un peu les épaules, les bras? Ça fait du bien. Super. On va partir en petit step touch. Qu'est-ce que le step touch? Tout simplement, c'est un pas de base qu'on retrouve souvent dans ce genre de séance. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme d'un côté et de l'autre. Donc tu le fais à ton rythme. Si tu peux accélérer, je t'invite à le faire. Sinon, tu ralentis, il n'y a pas de souci. Ok? Donc on a un petit step touch, un pas de base qu'on retrouve souvent en LIA, en marche. Yes, bon, dans la rue, généralement, on ne marche pas en faisant des petits step touch. Mais dans les séances de fitness, oui. Super. Jusque-là, ça devrait bien se passer. Le step touch, on l'a, on le gère. Donc, on va pouvoir essayer de le doubler. On va aller faire deux pas sur le côté et deux pas de l'autre côté. Facile. 1. 2, 1, 2, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, yes, super. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas? Est-ce qu'on peut fléchir les genoux, pousser les fesses derrière, garder le dos grandi, le buste bombé, buste fier. Ok, ça va chauffer un peu les cuisseaux là, ça va faire du bien, c'est ça qu'on veut. Hop,
Hop, allez, résiste. Prouve que tu existes. Ok, j'arrête, il va pleuvoir. Yes, si c'est trop difficile, si ça commence à trop chauffer les cuisses, tu remontes. Ok, il n'y a pas de souci. Tu le fais à ton rythme, à ton niveau, mais jusqu'au bout. Je compte sur toi, ne lâche pas. Hop, et hop. Il n'y a pas de souci si on adapte les exercices. L'important, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de sa séance, de tout donner par rapport à sa forme du jour, à son niveau. Super, on se redresse, on tend les jambes. On va rajouter un petit mouvement ici. 1, 2, on kick. 1, 2, on kick. 1, 2, croise. 1, 2, croise. 1, 2, croise. 1, et 2, je kick. 1, et 2, je kick. Hop, hop. Hey. Souffle bien. Ok, respire. Très important pour tenir la séance jusqu'au bout, parce que c'est une séance d'endurance. Donc le cœur travaille, il faut l'oxygéner, il faut oxygéner ses muscles aussi. Donc on fait attention de ne pas rester en apnée. 1, 2 et kick. 1, 2 et kick. Yeah. Hey. Est-ce qu'on peut rajouter le bras devant? Pousse. Pousse. Ouh. Pousse. Bras, jambes opposées. Super. Boum. Fais-le avec ton style, hein. Mais et ta patte. Boum. Serre les abdos, serre la taille. Imagine un corset autour de ta taille. Le corset est serré. Je rentre le ventre, je gagne la taille. Yes. Est-ce qu'on peut remplacer ce petit kick par un talon-fesse? 1, 2, talon-fesse. 1, 2, hey. 1, 2, hey, 1, 2, hey. C'est le même mouvement de base et on a changé un petit élément ici. Le talon-fesse, hey, 1, 2, boum, 1, 2, boum. Toujours le dos grandi, les abdos serrés et le sourire. Je veux du smile à la maison. Et oui, après tout, on est là, on fait la séance, on est fiers de nous, on a le droit de sourire. Ça fait toujours du bien. Hey, 1, 2, kick, 1, talon fesse, j'ai dit kick, mais vous avez compris. 1, 2, hey, 1, 2, encore pour 4, 3, 2, le dernier, et on remplace par un genou, ici, 1, 2, genou, 1, 2, genou, 1, 2, monte. Yes. Donc là, c'est le genou qui monte. Le buste ne descend pas vers l'avant. Ici, je ne m'avachis pas. Boum. Ok. Je reste grandi. Le genou monte le plus haut possible. Et on vient toucher avec la main opposée. Souffle bien. Ok. C'est nickel. Hop. Je souffle. Hey, tu peux y mettre les épaules. Hein. Si tu as envie à la maison de rajouter de la dance. Hey. Hey. Allez, faut que ça swing dans les salons. Hey. Wouh. Hey, 4, 3, 2, et 1, on marche. Hey, marche. Respire, n'hésite pas à ralentir la marche si besoin, souffle bien, super, reste fier, reste gainé, grandis-toi, nickel. Pendant la séance, tu peux boire quand tu veux, si tu veux aller boire une petite gorgée vite fait, vas-y, et reviens, reviens vite, super. C'est bon, on récupère son souffle, le rythme cardiaque redescend, n'hésite pas à ralentir si besoin. On va passer sur un autre exercice qu'on appelle le step-tap. C'est toujours un pas de marche. Hein. Et cette fois-ci, on va aller taper le pied d'un côté, ramener au milieu
Et puis pareil de l'autre côté. On tape, on ferme, on tape, on ferme, on tape, on ferme, on tape, on ferme. Ça va ? Abdos serrés. Fléchis un peu tes genoux. Ok ? Pointe de pied qui tape. Et ramène, pied à plat sur le sol. Serre les abdos, la taille. Et on va rajouter les deux bras devant. Hop, 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 hop. Ok ? On ouvre et on referme les bras devant. D'un côté, de l'autre côté. Hop, et hop, hop, et hop. Respire. Hey, hey, hey. Je rentre le ventre, j'aspire nombril. Je serre mes abdos en profondeur. 4, 3, 2, vers le haut. Et c'est la même chose. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme les bras. Yes. Les abdos, c'est bon? Est-ce qu'ils sont serrés? C'est bon, ça. Ok, ok. Toujours. Et 4, 3, 2, relâche les bras. Les mains aux hanches. Respire. Ça va? Est-ce qu'on peut décoller le pied du sol? Oui. Le pied flex. On essaye de tirer les orteils vers le visage et de pousser le talon en direction du sol. Fais-le à ton rythme, toujours pareil. Je peux ralentir, je peux accélérer, les abdos bien serrés. Tends la jambe, serre abdos fessiers ici, boum, boum. Dès que tu lèves une jambe, tu serres la fesse. Ça doit chauffer les cuisses, ça doit chauffer les fessiers. Super. Est-ce qu'on n'en ferait pas deux? On part pour deux. 1, 2, 1, 2, et 1, 2, et 1, 2. Encore, fixe un point devant toi pour garder l'équilibre. Les abdos aussi, bien sûr. Ça permet de garder l'équilibre, donc il faut être gainé au maximum. Je fixe un point, concentré, focus. Et respire. Ok. On part pour 4 ici. 4, 3, 2 et 1. Encore. 4, 3, 2 et 1. Toujours. Ça chauffe ou pas? Une dernière fois pour 4, 3, 2 et 1. On marche, on marche. Souffle bien. Ça va? Les fessiers, ça chauffe un peu. Et marche. Grandis-toi, les épaules sont basses, relâchées. Hein. Fais attention de ne pas être crispé. Ok, c'est bon. Respire bien. Récupère ton souffle. Tu peux ralentir. Mais ne t'arrête pas. Sauf si tu veux aller boire une petite gorgée vite fait. Ok, on va partir sur 3 pas. Et au quatrième, on kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, kick. 1, 2, 3, 4. 4. Ça va? Boum. 1, 2, 3 et kick. Kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. Normalement, ça devrait bien se passer. Au niveau de coordination, c'est pas trop compliqué. Je marche 3 pas, je kick. Ça permet d'alterner à chaque fois une jambe, puis l'autre. Hey! Est-ce qu'on peut rajouter la main opposée? Boum! Qui pousse vers l'avant. Hop! Kick. 1, 2, 3. Kick. 1, 2, 3. Kick. Hey! Hey! Les abdos. Toujours engagés. Souffle. 1, 2, 3. Souffle. 1, 3. Souffle. Hey! Hey! 4, 3, 2, et on met un genou à la place du kick. 1, 2, 3, genou. 1, 2, 3.
3, genoux. 1, 2, 3, hey. Hey. Ça va? Hey. Rentre le ventre, serre bien les abdos. Surtout au moment de monter le genou. 1, 2, 3, hey. 1, 2, 3, gain. 1, 2, 3, gain. Boum. Tu peux aller toucher le genou avec la main opposée. Ça va? 4, 3, 2, on remplace par un talon-fesse. 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3. Yes! Je souffle, je respire, hop! Vous avez vu, on peut se décaler légèrement sur le côté, un petit peu à droite, à gauche. Mais si on ne marche pas totalement sur place, c'est pas grave. Hop, ça peut nous aider ici pour bien faire son talon-fesse. Marche, 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 hey. Marche, 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 hey. Hey, est-ce que tu peux tirer les coudes? Hey, vers l'arrière. On active le haut et le bas du corps. On a plus de chances de brûler du gras en bougeant tous nos muscles. Les mouvements polyarticulaires, ça c'est le secret. Si on bouge qu'une seule partie du corps, on a beaucoup moins de chances de brûler du gras. En plus, on sait qu'on ne peut pas cibler une perte de gras. Donc si je veux brûler, par exemple, du gras au niveau des cuisses, c'est pas forcément en travaillant exclusivement mes cuisses que je vais y arriver. Donc il faut travailler tout le corps. Tu peux faire des pompes et aller brûler du gras dans tes cuisses, d'accord? On choisit pas, c'est le corps qui choisit où il a envie de déstocker la graisse. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté en bougeant tout son corps. Ok, on marche, on marche. Ouh, continue à marcher, reste gainé. On va boire une petite gorgée, toujours en marchant. Marche, 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 on boit une petite gorgeounette. Je compte sur toi pour rester actif, ça va à la maison? Tu continues à marcher? Oui? Super. Ok. On est en marche et puis on va essayer d'avancer. On avance de 3 pas, on recule de 3 pas. On essaye? 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3, tape. Ok, sur le 4, je tape du pied et je repars avec ce même pied. 1, 2, 3, tapez 1, 2, 3, tapez 1, 2, 3, tape 1, 2, 3, et tape. Et tape, ça va? Continue comme ça à la maison. Et tape 1, 2, 3, et kick devant. Et kick derrière. Devant, derrière, devant, derrière. 1, 2, 3, kick. 1, hey, hop, je fais de profil pour que tu vois bien, tac, hop, kick devant ici, boum, kick derrière avec l'autre jambe, 1, 2, 3 et kick, 1, 2, 3 et kick, 1, 2, 3 et kick, bam, 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 hey, t'as le droit de t'éclater, boum, t'as le droit de danser, ce petit pas ici s'appelle le Charleston. Boum, hop, c'est ça qui est bon. Hey, 1, 2, 3 et dance. 1, 2, 3 et dance. 1, 2, 3 et dance. N'hésite ton style. Boum. Aïe, 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 je veux voir ça. Je veux te voir à la maison en train de te donner à fond. Hop, hop. Ok, on marche sur place. Je reste de profil, comme ça tu vas voir toujours. On va faire la même chose, mais on va partir avec l'autre pied. Parce qu'on va pas faire le Charleston toujours avec le même pied devant et le même pied derrière. Donc 1, 2, 3 et kick. 1, 2, 3 et kick. On a changé de pied. Boum. Boum. 1, 2, 3 et kick. 1, 2, 3 et hey. Et hey, tu peux mettre les bras. Hey. Hey. Wouh. Tac, on est content d'être là.
On n'est pas fatigué, vous êtes fatigué. Ok. Allez, on continue. Ouh, on reste bien gainé. Hop, les abdos à la maison, c'est bon. On rentre le ventre. Et souffle. Une dernière fois, devant, derrière. Et on marche. Hey. Yes, c'est bon ça. Parfait. On marche sur placé, on déhanche ici. Ok. C'est des tout petits pas avec un petit déhanché et les bras. Ici, je compte sur toi pour bien serrer les abdos. Hop, hop, je rentre le ventre au maximum tout en continuant à respirer. Boum, 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 boum. On sent les abdos qui travaillent, la taille. C'est bon ça. Déhanche, glisse le pied sur le sol. Souffle bien. 4, 3, 2, ok, marche. Que calor, que calor. Je sais pas pour toi, mais moi je commence à dégouliner. Ça c'est bien, ça fait plaisir. On va partir sur mambo back, mambo derrière. Mambo derrière, c'est marche, reviens. Marche, reviens. Ok, tout simplement. Un pas derrière, reviens au milieu. Un pas derrière, reviens au milieu. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 3. 1, 2, 3. Allez. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Lâche-toi à la maison. Tac, tac, tac. Mambo back. Mambo back. Oh yeah. Ok, allez, on peut y mettre un peu plus de mouvement, un peu plus de rotation. Va chercher le regard vers l'arrière quand tu croises. Mambo back, mambo back, oh yeah. On est bien là. Ok, je veux voir du déhanché, les épaules qui swingent, on déverrouille tout ça. Mambo back, mambo back. Yes. Tac, 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 c'est bon ça. Encore, 4, 3, 2, le petit dernier pour la route, en marche, yes. Ok, ça part un peu en salsa, hein, vous avez remarqué, ça fait plaisir. Respire, super. On part sur des petits tippings sur place. Ça fait ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ça va? Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Ok, pareil, on peut y mettre un petit déhanché si on a envie. Boum, 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 boum. Hop, 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 hop. Serre tes abdos. Regarde devant toi, sois fier de toi. Boum, 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 boum et donne tout. Lâche-toi. Ouvre, ouvre, ferme et ferme. Ouvre, ouvre. Hey! Salsa. Oh yeah. Muy bonita, señorita. Hey! Tac, 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 tac. Pour 4, 3, 2 et 1. On marche. Super. On fait pareil de l'autre côté, parce que là, vous avez remarqué qu'on a travaillé qu'une seule jambe. On a toujours commencé par la même jambe. Donc, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ok. À ton rythme. Tu peux le faire en mode basique, en restant bien gainé, bien grandi. Tu peux le faire en mode déhanché, avec des petits pas. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Boum, 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 boum. Allez. Yes. Ah, c'est ça qu'on veut. Je suis en train de vous imaginer chez vous, en train de tout donner. Ça fait plaisir. Hop, 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 et hop, 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 et hop. Yes. Et les abdos dans tout ça. Je compte sur vous. Rentrez le ventre. Hop, hop, hop. Hop, allez, 4, 3,
2, un petit dernier. Wouhou, et on marche. Super. Respire. Serre bien tes abdos. On va monter les genoux. De plus en plus haut. Lentement ou rapidement. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. L'important à la maison, c'est que tout le monde doit avoir les abdos gainés, le dos grandi. Et après, le rythme, chacun, chacune fait à sa façon. On monte, on monte. Plus haut le genou, plus haut, plus haut. On peut le faire. On a encore un peu d'énergie là, pendant 5 minutes. On termine, on termine. Et on donne tout ce qui nous reste en énergie. Souffle bien. Yes. 4, 3, 2, et on marche. Super. Petit talon fesse. Hey, hey, et on vient tirer les coudes derrière. Simplement, talon fesse. À droite, à gauche. À gauche, à droite. Yes. Si on peut, on accélère. On essaie de faire monter un peu le rythme cardiaque sur la fin de la séance. Souffle bien. Hop, hop. Aspire nombril. Serre ton périnée aussi. Hein. On remonte toutes nos viscères à l'intérieur. Et si tu ne sais pas comment serrer ton périnée, je t'invite fortement à faire mes séances de pilates qui vont t'aider à travailler tes abdos profonds et ton périnée. C'est magique le pilates. Hein. Enfin, c'est magique. Non, c'est scientifique. Mais on a envie de dire que c'est magique parce que vraiment, ça permet d'avoir un ventre plus plat, d'être plus gainé, plus tonique, moins de douleur de dos. C'est génial. Si tu n'en as jamais fait, je t'invite vraiment à essayer. Yes. 4, 3, 2, et marche. Ok. Est-ce qu'on est ready pour ce qui nous attend ensuite? Oui, Marine. Ok, super. Criez pas tous comme ça, tous en même temps, non? Doucement. Je suis dans mon délire, dans ma tête, là. Mais ça va bien se passer. On va bientôt finir. Reste avec moi. On va venir taper sur le côté. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Step tap. C'est bon? On l'a, on s'en rappelle. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Ok, ça, c'est l'exercice simple. J'ajoute quelque chose. On va faire simple, simple et double tap. Simple, simple et double tap. Ok? Simple, simple et double. Simple, simple et double. Encore. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Hey, hey. Est-ce qu'on peut accélérer? 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. Allez, tu essayes à la maison, tu le fais à ton rythme. Hop, hop et 2. 1, 1 et 2. Sois tonique, sois dynamique dans tes gestes, dans tes mouvements. Hop, hop, hop. 1, 1 et 2. Serre les abdos toniques. Tonique et boum, boum. Et 1, 2, allez. 1, 2, toujours. Une dernière fois. Simple, simple, double. Et marche. Yes. On termine sur un dernier. Dernier petit pas pour la route. Je commence à dégouliner de partout. C'est super. Bien. J'espère que toi aussi à la maison, tu dégoulines. On part en V-step. Ça fait pied droit, pied gauche, referme, referme. Et on change de côté directement. Droite, gauche, droite, gauche et gauche. Droite, gauche, droite, droite. Ok, ça fait ouvre, ouvre. Ferme, ferme et repars avec le pied qui a fermé ici en dernier. Tac, tac, et ouvre, ouvre, ferme, et ouvre, ouvre, ferme.
Avance, avance, recule. Ouvre, ferme. On descend un peu plus bas. On termine en faisant chauffer les cuisses pour bien finir. On finit en beauté. Pam, pam. Descends, remonte. Et 1, 2, 3 et 4. Oui. Hop. Avance, avance, recule. Pour 4. 3. Plus que 2. Plus bas, le dernier. Et relâche. Ralentis. On marche tout doucement, des tout petits pas. Récupère. Ici, tu vas aller prendre une grande inspiration. Tire vers le haut, grandis-toi. Et regarde, tu vas souffler, pousser les fesses derrière, allonger les jambes et tu maintiens ici le dos grandi. Jambes tendues, le coccyx qui tire derrière. Allonge le dos jusqu'au sommet du crâne. Et puis relâche complètement la tête, les bras, les épaules, fléchis un peu tes genoux. Et tu vas remonter en déroulant doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Tu vas prendre tes demi-mines et tu vas t'applaudir. Bravo à toi pour cette séance. J'espère qu'elle t'a plu, que tu finis dégoulinant comme moi. Tu me dis tout ça en commentaire. Tu me dis si t'as aimé, si t'as dégouliné. Tu peux aussi me dire le pas que tu as préféré, comme ça je pourrais le remettre dans une future séance. Et puis pour m'aider, si tu as vraiment aimé cette séance et que tu as tenu jusqu'au bout et m'aider à booster cette séance sur YouTube, tu me lâches ton pouce juste sous cette vidéo et abonne-toi. Si tu veux plus de contenu, plus de vidéos de notre part, et comme ça tu reçois une notification dès qu'on te partage une nouvelle séance sur la chaîne. Donc il faut activer la petite cloche pour ça. Voilà, en tout cas, gros bravo à toi. N'hésite pas à télécharger le guide de la perte de poids dans la description, juste en dessous, c'est gratuit et il va énormément t'aider. Tu vas voir, il y a les 5 erreurs les plus courantes que font les personnes quand elles veulent perdre du poids. Et on vous explique aussi bien forcément comment y remédier. Donc voilà, c'est très très intéressant, très simple à comprendre aussi. Donc voilà, dépêche-toi de télécharger. Et puis je te fais des gros bisous, des gros poutous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine séance. Ciao !